Le dindon est un animal des plus étonnants. Pour se nourrir, il n'hésite pas à rentrer sa caroncule au fond de son... Et il est vrai que l'on peut voir sur cette image le président qui fait preuve d'une grande fermeté, qui est une figure quasi jupitérienne, je dirais même, le symbole d'un état fort, évidemment. Et je ne m'en cache pas, j'ai parfois envie de lui chisser la... Je vous coupe, Edouard Duboucaquet. Je viens de recevoir à l'instant une information de dernière minute concernant Brian. Brian, ce jeune homme constipé depuis plus d'une semaine, la situation aurait évolué. Nous retrouvons notre correspondant sur place, Félicien Leblanc, qui est en direct live Inside exclusive pour PFM TV. Félicien, est-ce que vous m'entendez ? Oui, tout à fait, Baptiste, je vous entends parfaitement. Je suis actuellement devant l'immeuble de Brian avec Stéphane. Stéphane, son voisin, c'est lui qui nous a alerté par rapport à l'évolution de la situation. Que s'est-il passé ce matin, Stéphane ? Bah, j'étais tranquille en train de regarder un épisode des Anges, comme tous les matins, et là, bah, j'entends des bruits de prout. Je me dis, merde, c'est Virginie, ma copine, mais non, elle était partie chercher du lubrifiant. Et là, je me dis, merde, Stéphane, c'est toi qui pète. Non, c'était peut-être pas moi non plus, je l'aurais senti. Donc là, c'est pour ça, ça m'a alerté, je mets l'oreille sur le mur, et là, bah, j'ai entendu que c'était de l'autre côté, c'est pour ça que je vous ai appelé. Vous êtes donc en mesure de nous dire qu'il y a eu des bruits de flatulence ce matin au domicile de Brian? Ah, là, c'est lui qui a pété, c'est sûr, c'est pas moi. Félicien, est-ce que vous pouvez demander à Stéphane s'il a entendu le bruit d'une chasse d'eau ce matin? Est-ce que vous avez entendu le bruit d'une chasse d'eau ce matin, Stéphane? Non. Merci en tout cas pour ce témoignage. Voilà donc les dernières informations que nous avons pour le moment. Des bruits à répétition de flatulence au domicile de Brian, mais aucun bruit de chasse d'eau pour le moment. Merci Félicien, vous revenez vers nous dès que vous avez du nouveau. Nous retrouvons à présent Michel Herpès, notre expert santé, digestion, défécation et sécurité, qui nous a rejoint sur ce plateau. Michel, d'après ces premiers éléments, quelle est votre analyse? Eh bien, grâce au témoignage de ce voisin, nous savons maintenant qu'il y a eu des flatulences ce matin chez Brian. Il est encore trop tôt pour savoir si la situation va se débloquer, mais ce sont des nouvelles qui poussent à l'optimisme. Rappelons les faits. Brian n'est apparemment pas allé aux toilettes depuis au moins 7 jours. Faut-il s'inquiéter? Faut-il avoir peur? Évidemment, des questions se posent, mais il ne faut pas céder à la panique. Car d'après d'autres informations en notre possession, Brian aurait acheté plusieurs boîtes de Dulcolax. C'est un médicament purgatif très puissant qui lui permettra de... Je vous coupe, Michel Herpès. Nous retrouvons tout de suite notre envoyé spécial Félicien Leblanc. Félicien qui a de nouvelles informations. Oui, tout à fait, Baptiste. Je suis actuellement devant l'épicerie du quartier de Brian avec Mélanie. Mélanie qui faisait également ses courses dans l'épicerie et qui a aperçu Brian. Que s'est-il passé, Mélanie? Je l'ai bien acheté du papier toilette, quoi. Est-ce que vous seriez en mesure de nous donner la marque de ce papier toilette? Je sais plus, j'ai pas fait gaffe. Peut-être du Lotus ou du Pampers. Une senteur en particulier, Mélanie? Rose, menthe, amande douce? On va dire rose comme mon écharpe. Merci infiniment, Mélanie, pour ce témoignage très précieux. Voilà donc, Baptiste, toutes les informations que nous avons pour le moment. Nous savons donc que Brian aurait acheté du papier toilette Lotus rose. Il avait l'air pressé. Michel, le dénouement approche? Ça semble se préciser, effectivement. Cependant, en tant que médecin, il est de mon devoir de vous dire qu'il ne faut pas crier victoire trop vite. Priorité au direct, PFM TV vous propose à présent un témoignage exceptionnel. C'est celui de Jacqueline. Jacqueline, la mère de Brian, qui habite à Brie-sur-Glaviau et que nous avons réussi à joindre il y a quelques minutes seulement. Jacqueline, bonjour! Jacqueline, est-ce que vous m'entendez? Oui, je crois que je vous entends bien, là. Jacqueline, on imagine votre émotion. Qu'est-ce que vous ressentez? Et est-ce que vous connaissiez les antécédents de votre fils? Bah, je ressens beaucoup d'inquiétude. Je connais mon fils et je sais que la situation peut exploser à tout moment. Mais Brian, c'est un battant. Il va pousser fort pour s'en sortir. Toute la famille est là. Et bisous, Brian. Bisous, Brian. On t'aime, Brian. On est avec toi. Et toute la France est avec Brian, Jacqueline, je peux vous le dire. Allô? Merci. Allô? Encore pour votre appel. J'entends plus rien, là. Allô? C'est un document édifiant et précieux, ce que nous venons d'entendre. Absolument, le soutien de la famille dans ce genre de cas est primordial. Les problèmes de digestion arrivent de plus en plus tôt et vous poursuivent jusqu'à l'âge adulte. Je me tourne vers vous, Edouard Duboucaquet. Quelle est votre réaction face à cet événement? J'aimerais tout d'abord adresser tout mon soutien à Brian dans ces moments fatidiques qui me rappellent les instants les plus sombres de mon transit. Je vous coupe, Edouard Duboucaquet, député de la République en déplacement. Je viens de recevoir de nouvelles informations. La situation serait sur le point de se débloquer de façon imminente. Félicien Leblanc, on vous écoute. Oui, tout à fait, Baptiste. Je suis actuellement devant le domicile de Brian. Je viens à l'instant seulement d'entendre un bruit de chasse d'eau. Je vais tenter d'avoir une réaction en direct de Brian pour en savoir plus. Brian!
Bonjour Brian, une réaction par rapport à ce bruit de chasse d'eau. Que s'est-il passé? La situation s'est-elle enfin débloquée? De quoi vous me parlez là? Les selles étaient-elles dures ou molles? Vous sentez-vous soulagé Brian? Quoi? Je comprends pas là. Et ce bruit de chasse d'eau, que s'est-il passé? Mais je suis juste alléché, mais ça vous garde pas, maintenant cassez-vous! Bon bah écoutez, la situation semble apparemment sous contrôle. Brian avait l'air soulagé et je peux vous dire qu'ici, on vit ça comme un réel ouf de soulagement. Merci Félicien, sur le plateau également, je peux vous dire qu'on est tous très soulagés. Merci à vous, Edouard Duboukaké, d'avoir participé à cette émission. Et merci à vous de m'avoir invité. Michel Arpès, merci. Mais de rien. Tout de suite, un documentaire exceptionnel consacré à Emmanuel Macron. Est-il un descendant de Jupiter ou d'Apollon? C'était BFM TV, numéro 1 sur l'info, exclusive Inside the Breaking News. Brian a fait caca. BFM TV, l'info qui compte vraiment.